police, elle est là. Allô, tu m'entends? Ouais, tu m'entends. Ouais, hey, c'est toi dans l'hélico? T'es où toi? Je suis en bas, je suis en dessous de l'hélico ou bien je suis en moto? Je suis juste là. Frère, y'a tous les keufs, j'ai réussi à trouver une porte de sortie par un sous-sol caché. Et il y avait trois keufs, ça tirait dans le casino. Ah, t'es pas, c'est pas toi dans l'hélico? Non, non. Wesh, attends, faut que tu fasses bélé qu'à toi. Attends, t'es dans le casino là? Attends, attends, chut, attends. Je fais... Hey. Je roule comme un citoyen qui n'a rien à se reprocher. Mais t'es où là exactement? Non, je sors du casino. Oh, ouah, tu viens de te voir Carton? Oui. Attends, non. Mon fils de pute. Eh, hey, je vois personne là, je suis désolé si tu m'as braqué, mais je vois personne. Nique sa mère. Mais pourquoi il nous suit? Mais pourquoi il nous suit? On a rien fait. On est des citoyens normaux. Oh putain. Putain. Mais attends, pourquoi il y a des renforts comme as? Chop. Faut qu'on aille vite à l'unicorn, on va aller au repère, t'as les clandos là. Non, ils vont nous voir rentrer, ils vont nous voir rentrer. Ah, c'est vrai. Hey, j'ai une idée, attends. Putain. Attends, mais tu es en train de les semer là. T'as les fous, qu'est-ce qui se passe? Je suis un pilote quoi. Là, je crois qu'ils sont juste claqués. Ah, bah bien, on va. C'est Shogat là, comment ça s'appelle déjà? Shona, Sona, je sais plus quoi. Oh mon ref, Oh, Zabi. Faut que j'aille récupérer de l'argent dans le coffre pour les deux, pour donner à Vertugo. Quoi? Mais j'ai pas d'argent dans le coffre. Et pourquoi tu fais Mais parce qu'il y avait des keufs qui me tiraient dessus dans... Là? Dans le casino, ils me cherchaient, ils voulaient m'arrêter. Ils voulaient m'arrêter, il y a un hélicoptère qui est descendu sur le toit et tout. Eh frère, le casino il est tellement grand, ils vont rien faire. Oh, ils sont là, bombarde. Oh, c'est abusé, je vais... Ah, je vais mais tu vas où? Je vais péter un pont, je vais péter... Oh, putain. Bombarde. Wesh, aïe. Bon, allez, t'as trop de... Quoi? Aïe, garde-toi. Allez, salam. T'es où? Mais je t'envoie ma bouse. Ma bouse. Collègue. Putain, il est con, je l'ai vu, il est là-bas. Oh, tu m'entends? Ouais, t'es où? Retourne à la pause que tu m'as donnée. Non, attends, hey, continue tout droit, il y a un terrain de basket. Mais je t'ai vu, vite, Yvon. T'es où toi? Oh, tous les keufs arrivent, je me casse. Dio. Nous sommes toujours à la poursuite des individus. Quoi? Y'a la radio dans la voiture, j'entends tout ce qu'ils disent. Il semblerait qu'on aurait un dans un terrain de basket a priori repéré, au loin en train de se cacher. Intervention immédiate, envoyez des transports de renfort. Allô, ils savent que t'es dans le terrain de basket, je suis dans la voiture, j'écoute la radio. Allô. Oh.
Allô. Ils savent que t'es dans le terrain de basket. J'ai de la radio de la voiture, ils ont dit que t'es sur le terrain de basket. Mais tu t'es fait choper toi? Non, 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 j'ai chopé une de leurs voitures, je l'ai volée. Mais moi c'est bon, je me suis cassé en voiture, on se donne rendez-vous. Oh bordel. Eh, hey, rendez-vous unicorne. Vas-y, vas-y, je suis à l'unicorne là déjà. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Oh zepi. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais mourir au casino. Eh, hey, quand j'ai entendu des tirs, mon cœur il s'est emballé. Arrêtez-le! Oh, Sarsal, c'est toi! Oh, j'ai vu! Ouais. Vite, vite, eh, on va où? Viens, on se casse, viens, on se casse. Let's go! Oh putain, go. C'est qui ça? Zabi, c'est qui? Dis-leur de monter! Oh, monter, putain. monter! Pourquoi? Monter. Oh putain, ah, ça va! Merde! Mais c'est qui ça? Oh, ça pue sa mère! Je sais ouais, pas, désolé, mais c'est mais putain, mais comment? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui vous? On vous sauve. Je sais pas, on vous a vu, il y avait un mec qui était. Non, calme, on a rien à se reprocher, on était là, on se baladait, au calme. Non, c'est bon, il y a rien dessus. Dis-leur, Berlusconi, on allait danser un peu en boîte. Ouais, même pas, on était là, on était au parc, on marchait de ça, on se parlait. Mais pourquoi t'étais dans une voiture de cop? Vous savez que là, ils m'ont dit que Gator est. Il est con, lui, ou. Non. Gator quoi? Rien, rien. Je sais même pas qui c'est, Gator. Non, mais en fait, les familles, ils font les intéressants, genre en mode on les connaît et tout. Mais vous êtes qui, vous? Nous? C'est vous êtes qui là? Nous? Attends, attends, les familles disent quoi? J'ai pas entendu. Bah, les mecs de Groove. Oh, vas-y, tu pues de la gueule. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Quoi? C'est pas. Vas-y, ouvre la fenêtre. Vraiment, ouvre la fenêtre, vraiment, s'il te plaît. Ok, c'est bon. C'est attends, j'ouvre la fenêtre. Voilà, c'est bon. Ah, ok, c'est comme ça. Non, t'as cassé la fenêtre là, tu. Ouais, mais au moins, on va pas passer au mécano là. C'est pas grave, ça sent. Wouah! Wouah! Wesh! T'es ça, Ah non, celui-là, il y avait des éclaboussures. C'est un P-Uzi. Ouf! Attendez, je vais rouler à 200 comme ça, ça va vider l'air. C'est un P-Uzi, sa mère, c'est. C'est un P à la fête. Faut renouveler l'air là. Je fais des P à la fête. Ah ouais, mais non, t'as mis le gros en fait, on va pas pouvoir monter à 200, les gars. Faut sentir mon P, ça va sentir rosé. Oh mais il a mollardé sur moi là, il m'a mollardé dans la nuque. Ta gueule connard, conduis ta gueule. Ferme ta gueule là où tu te non, prends non, oh, pardon, pardon. Eh, hey, ils s'excusent. Bon. Mais eh, hey, c'est vous ouais, faites quoi vous bon. Eux c'est des balas, c'est là, des branleurs. On doit aller au gouvernement parce qu'on doit déclarer les impôts, ma gueule. Eux ils braquent que des super-héros. Zarma, vous déclarez l'argent de la drogue? Non, y'a pas de... On fait pas de drogue nous. Ah, vous faites quoi? Tu feras quoi? Non, je rigole. Non, on fait de la drogue, hein, carrément. Hein, la weed. Et la voix au bout de ça! Mais ta voix au bout de deux secondes! non, on tient le barbershop de grosserie. Oh, hé, y'a moyen, tu me fais une petite coupe gratuite pour mes sourcils? Oh, let's go, let's go! Pour tes sourcils alors, mais je te fais pas une coupe gratuite. Non, en fait pas de coup. Non mais t'inquiète, c'est non, parce qu'on mais gagne, là, on gagne faut, genre, viens on dit la vérité Berlusconi. On gagne beaucoup tu vois avec le barbeur. Attends tout, Mike, là, attends déclarer, Mike, on va déclarer genre 100 balles tu vois. Rase-lui le crâne, il assume pas sa calvitie, ça y est. Non. Mais j'ai pas une calvitie, j'ai juste les golfs un peu. Attends, c'est quoi ce bruit? J'ai juste les golfs un peu reculés, on est d'accord, mais c'est ma délimitation naturelle. Ouais, en vrai ouais. Bah c'est quoi, nique sa mère, viens on va déclarer les impôts après. Ouais, on va déclarer les impôts après, nique ta mère. On va faire une coupe. Mais hé, vous pouvez relooker Sasral ou pas, sa coupe? Non, moi y'a du caca. Y'a du caca dans mes cheveux, touche pas. La tondeuse elle va tomber en panne hein. Attends, bélec. Oh y'a un braquage. On sait rien. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas si. On est trois ligotés dans la voiture, on est pas sûr. Y'a trois ligotés dans la voiture et moi je suis le seul comme je suis le conducteur. Oh putain. Bah, attendez, il braque qui là? Je sais pas. Vas-y, passe, c'est bon, passe. Les amis, passe. D'accord. Okay. Au calme. On est là en paix. Regarde. Est-ce que tu vois. Ah non. À part les trois voitures de cops qui sont derrière, est-ce que tu vois une. Est-ce que tu vois des unités, à part des banalisées? Non, pourquoi? Pourquoi? C'est ça le problème, tu vois? C'est ça le problème. Regarde, ils nous visent. Vas-y, vise-nous! Vise-nous, ta grand-mère, vise-nous, vas-y, vise! Allez, on est prêt en otage! Allez! Putain, mais ta gueule! Ferme ta gueule, on va te relooker, tu dis ça! Allez! C'est bon, ils s'en branlent de toi.
Ils s'en branlent. Putain, c'est ça le problème de cette ville, les SDF ils s'en battent les couilles. Mais c'est normal, tes cheveux c'est... ils sont même pas coupés par la tondeuse, c'est tes cheveux qui coupent la tondeuse. C'est qui veut un relooking? Mais qui veut un relooking ici? Oh putain, il devient fou, ça y est, c'est ça, c'est Golf. Il se creuse. Non, rasez-lui le crâne. Oh putain, non, arrête! Qu'est-ce qui se passe? Non! Il fout quoi, gros? Il fait sa crise! Non, les refs! Donnez-lui de l'argent! Donnez-lui de l'argent, il va péter un plomb! Donnez-lui de l'argent! Tu veux de la coke? Donnez-lui de l'argent, il va péter un plomb! Argent! Tiens, prends ça, prends ça! Merde! Voilà! Voilà! Prends ça, voilà! Sniff! Sniff! Putain! Mais j'ai donné à celui qui pue la merde là. Nique ta mère, genre je vais la prendre aussi et tu vas lui donner, il va la consommer, on va la consommer tous les deux. Donne-lui. Mais j'en ai qu'une. J'avais que ça, j'ai qu'une conso. Mais c'est putain, chaud. Mais toi t'es un vendeur à la sauvette ou quoi? C'est quoi ça? Bah attends, je vais chercher de la conso, j'arrive. Vas-y, va chercher de la conso là. Mettez-vous voilà. Bien là, on vous met bien gratuitement en plus hein. Vas-y, y'a pas des putes dans ton quartier un peu là? Non. Laisse-moi réfléchir. Si tu veux, un forum là à gauche, là, y'en a. Ouais, je suis allé là-bas. On a déjà baisé avec Berlusconi. Qui? Il a dit avec Rick. Oh, c'est. Il vient vraiment de lâcher une quiche dans la voiture là? Ouais. Oh! Ça pue la 8-6. Tiens, regarde le barbare, il est là. Oh, c'est le teps le plus net que j'ai entendu de ma vie. Il était net et sans bave. C'est un coup franc plein de lucarne. Yo, Tyson, réveille-toi. Oh, oh jamais, tu dors ou quoi? Aïe. Oh, réveillez-le. Oh, oh merde. On l'appelle Tris One Patou. Oh. Ouais, Tyson. Mais prenez une chez Squaresus. Oh, Tristan, laisse-moi tourner mes sourcils, s'il te plaît. Teindre mes sourcils. Il veut pas répondre. Mais vas-y, Chiki, ah, t'es là? Bah oui, je suis là, tu crois quoi? Je suis devant toi. Yo, non, tu fais quoi? Pardon, excuse-moi. Tu peux teindre mes sourcils? Mais il est invincible, mec, sachez, c'est un handicapé invincible. Mais attends, j'ai une technique. Tape moi, t'es mort. Écarte. Non, mais fais une coupe de cheveux, Pardon, excuse-moi. Wow. C'est vrai qu'il est invincible. T'as vu, je me fonce dedans, il est pas tombé. Il a des appuis de fou malade. Va te faire les sourcils. Wouhou! Let's go. Ça va ou quoi, vas-y, man? Assieds-toi. Hey, il est où ton OG? Je fais quelle couleur, Srod? Violet, c'est sur bien. Les sourcils. Violet. Je veux les sourcils rouges, comme Kagami dans Kuroko no Basket. Bon, tes références de merde là, tu fais lui les contours aussi. Fais-lui les contours. Parle mieux de Kuroko no Basket. Non, les gars, rasez-lui un peu le crâne, sérieux, c'est sa calvitie, c'est pas possible. Non, range ton couteau, c'est lui qui coupe, c'est pas drôle. Parle mieux de Kuroko no Basket. Pardon, Kuroko no Basket, j'adore. Dis-moi deux joueurs de l'équipe de Kuroko no Basket dans ce manga. Ok, attends. Attends, je réfléchis. Tac. Oh non. Voilà, vas-y, regarde-moi. Rouge, tu m'as dit. On est entre nous. Ouais, rouge, s'il te plaît, mon sang. Oh. Vas-y, regarde-moi bien. Et j'avais trouvé, wesh. J'avais trouvé. Oui, bah, sois plus rapide que ça. Hakashi et Kagami, Hakashi. Fais-lui les contours, Taïwan. T'as de voir ça. Mais putain. Oh, ouais, c'est grave lourd. Ils sont assez rouges, là. Et les contours aussi. Les contours et la barbe. Ah, tu veux changer ta coupe? Ah, wesh. Oh, The Human Centipede. C'est oh, Human Centipede! C'est Human Centipede! Wesh! Oh putain! Wesh! Wesh! Oh, y'a un problème avec les individus assis par terre là? Non! Wesh! Ils font quoi? Ils font quoi? Une coupe de cheveux! Pourquoi il a mis ses pieds dans son cul? Il est venu seul le sourcil, mais sur du cul, il lui a mis un coup de couteau l'autre. Ah, The Bee! On vous fait les contours! Ah, merci! Mais moi, on peut pas faire les contours! Oh! Mais si, on va faire les contours! Oh! Aïe, ça fait mal tout ça! Tu veux faire les contours? Oh! Ouais, je veux bien, s'il te plaît, mais. Mais. Bon, lâche-le! Mais je le lâche! C'est lui qui me lâche pas! Fils de pute, j'étais en train de faire mes contours! Mais non, c'est toi qui me lâche pas! Oh, mais c'est lui qui me lâche pas! Qu'est-ce qui se passe? Par contre, là, c'est vraiment Human Centipede, quoi! Oh, The Bee! Quoi? Mais oh! Non, c'est toi qui me lâches pas! Ah, ça pue!
Waouh. Il pisse partout. Eh, les frères, partout. Qu'est-ce qui se passe là? On pisse à deux, Kamehameha père fils. Mais pourquoi il a mis son pied dans son huc? Parce que. Ok, ok. Il s'est mis son pied dans son huc. Ça va être le bordel après. Mais voilà, c'est bon. Eh, franchement, force à vous les refs, nous on style. Bon, tu veux que je te coupe les cheveux ou pas? Force. Ouais, s'il te plaît, mon ref, c'est moi la merde. Zizi. Vas-y, je te montre ce que j'ai, tu me dis. Vas-y. Ouais, ça dit quoi ce rude? Ça se fait mêler là? Ça c'est bien là. Y'a Bouzizi. On a reçu la commande. Non, je peux pas faire cette coupe, j'ai la calvitie de base. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est des implants. Mais Bouzizi, pourquoi t'as une voix derrière le micro de Carrefour? Eh, nique ta grand-mère, fais-toi niquer ta mère. Dieu, tu recherches quelqu'un dans les rayons. Eh, hey, tout à l'heure, il avait des ultrasons quand il parlait. Il est trop bizarre. Oh, nique ta mère, j'ai mal à la gorge. C'est un dauphin, fils de pute. Attends, je sais pas si je me fais chauve. C'est stylé quand même, chauve. Si, si, chauve. Mais toute c'est ma bien. Vie, j'étais chauve, ça me casse les couilles. Tyson. Si, rase 3, assume ta calvitie, chauve. Tyson, Johnny. C'est vrai, je vois. Oh, ouvre la porte, fils de pute. Eh, mais moi, encore plus une calvitie, s'il te plaît. Assume ta calvitie. J'ai trop stressé, ma calvitie elle est encore plus. Tyson, c'était parfait. Ferme ta gueule. Quoi? C'est quoi la coupe à Josiane? La coupe à Josiane. C'est qui, Josiane? Josiane. C'est qui, mon ref? C'est ça, sa coupe, non? Attends, laisse-moi faire la coupe à Josiane. Attends, voilà, je vais. C'était ça. Quoi, ça là? Ah ouais, non, c'est bien. Vous avez mis les cheveux au milieu. Non, on lui a fait des implants en fait. On lui a fait des petits implants. Vous m'avez c'est, là, réglé c'est la coupe mes à Josiane. Merci les rêves, vous m'avez réglé mes contours, c'était arrivé. Tu veux ça? Ouais, elle est trop bien ça. Oh sa mère! Non! Vu que ça pousse sur les côtés, ça cache mes golfs sur les côtés, c'est trop bien. C'est bon. Ah ouais, bonne idée. Ça va bien, ça va. Elle a augmenté, je pète un câble. Putain, c'est redevenu Bernabéu, j'en peux plus. Oh là là. Mais subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Bon les gars, vas-y, maintenant donnez-nous toute votre drogue. Tiens, mets ça aussi. Mets ça pour voir. Un rouge foncé. Ouais, essaye. Mais frère, lui, il a mis son foulard, j'ai envie de l'appeler Khalti. Wouhou! Voilà! Frère, t'es. Ouais, c'est bien. T'as pas une vraie dégaine, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? On enlève, coup, parce qu'on fuck les balasses par ici. Quoi? Ah ouais. Aïe! Non, je rigole! Ah, j'ai dit balas! Je voulais dire maras! Maras! Ah, maras! Ouais. Bon, les gars. Ça va alors, ça va. Arrêtez, ça, la violence, ça sert à rien. Vas-y. Par contre, tu peux nettoyer le pipi là, s'il te plaît? Ouais, t'inquiète, vas-y les refs. Tiens, je te donne un balai. Vas-y. Ouais, mais c'est fermé. Ah, c'est fermé. Oh, ouais, ok. Vas-y, nettoie Berlusconi, vite fait, le pipi. Je nettoie le pipi? Ouais, nettoie. Tiens, prends ça. Putain. Ok, je vais nettoyer, putain, ça me casse les couilles, je dois toujours tout faire par ici. Allez, nettoie le balai est tombé dans la piste. Putain. Oh, putain, je dois toujours tout faire par là. Non. Quoi? On t'a dit nettoie. Laisse le canapé tranquille. On t'a pas demandé de bouger le canapé. Oh putain. Papa là. C'est bon, il a nettoyé. Oh, c'est là, bon, je nettoie. Parfait. Vas-y, nettoie, bouge. Nique ta mère avec ton gosse. C'est bon, je nettoie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, j'ai un enfant maintenant. Ah, excusez-moi. Avec sa coupe vas-y, de grand-mère. Nettoie avec le balai. Aïe. Aïe. Comment il a réussi pour prendre un balai? Bah, il me l'a donné. Bah, t'es con quoi. Il a pris le balai par terre, t'es con quoi. Ah ouais, bah, ouais. J'ai pas vu. Bah ouais, t'as pas vu. Allez hop, regarde, je nettoie le pipi. Bah sois pas content fils de pute, c'est toi qui as pissé par terre. Bah non, moi j'aime trop le pipi. Bon les refs, c'est pas pour vous déplaire mais on se voit tailler. Vas-y. Ouais. Quoi? Bon, oh le pouce où? Ouvre nous la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez sortez. Zippy, il a galoché son bench. Allez. On prend vos motos et on vous baise. Vas-y, ferme ta gueule. Let's go. Wesh. Vas-y. Vite. Let's ça arrive, ils vont nous suivre. Tourne. Non, t'inquiète, je vais tout droit et... Non, mais ils nous voient si tu restes tout droit, tourne. Ah oui, c'est vrai. Mais Zabi, t'as 30 ans, ça fait 30 ans qu'on tu t'accompagnes. Ta mère, il fait sombre, je vois rien, c'est la nuit. Strud, faut que je te dise. Quoi? T'as vu le casino que m'a légué mon ami? Ouais. Je vais te donner un double des clés, comme ça tout ce qui m'appartient, ça t'appartient aussi. Vas-y, lourd, mais moi je veux juste avoir les doubles au cas où. Je vais pas rentrer dans ce business, c'est le chien, il faut que tu fasses des sous avec. Oh putain, il m'appelle Vertugo. Attends, moi faut que tu m'accompagnes sur un truc grave. Bah vas-y, de toute façon, je devais lui parler aussi. Oui, ma mère, c'est une pute. Je suis au parking central, pourquoi? Oui, allô, SDF étrange. Je l'ai ton argent. Tu m'entends? Je l'ai ton argent. Ouais.
Ouais, j'ai dit, on a bien écrasé leur mère les plus. Ah, bah je te le ramène au balio là. À eux là, au violet. Vous êtes des bons de fou. Bah je te le ramène au balio. Après, je vais vous. Après, je vais vous donner des sous, ok. T'es, vas-y, mais faut qu'on parle là, on va envoyer une pause après, t'es occupé? Vas-y, yeah. Je finis un truc, oh, et je te dis quand je suis là, c'est bon. Allez, beau gosse. Vas-y, attends, mon ref, attends, juste mon appel. Attends, deux minutes. T'as chopé ta bécane où là? Oh, eh, la bécane, on l'a chopé chez ta petite mère, ok? Donc tu vas en sonneur, viens, on va du pull-up sonneur, vas-y. Avance, gros. C'est de ma mère, viens, on va du pull-up sonneur. Voilà, j'arrivais pas à savoir s'il nous braquait. Il nous braquait? Je sais pas, mais là, pété. Arrête-toi, comme ça, arrête-toi, c'est de ma mère, c'est un mort. On va lui péter les rotules. C'est pas les gars de Baltrou ça. Non, ils parlent pas comme ça. Je crois que c'est des familles, non? Vous faites attends. Partie de quel gang vous? Y'a pas de gang ici là. Eh mais merde, on repère au casino. Ah il est là le casino, c'est bon. Mais il est où Vertou? Il est dans son balio, je dois lui ramener Reviens là. Bah viens, on le rejoint, au moins il pourra rien nous faire si on va là-bas. Je dois lui ramener 10 000 $. Mais non, wesh. Oh ah. Mais viens, on le rejoint, viens. Mais non. On le rejoint, mais j'ai envie de prendre 10 000 dollars par an. C'est dingue. T'inquiète, fais-moi confiance. Okay. Oh, viens. Va, fais-moi confiance. Suite à cette. Aïe, non, fais pas les cons, c'est le moment. Ok, tu bouges plus. Ok, tu t'appelles comment? C'est quoi ces sourcils? C'est quoi ces sourcils? Ça va. Viens sur le trottoir. Tu manges bien le sol. Tu manges bien le sol. Tu manges bien le sol. Sortez pas d'armes, faites pas les dingues. Eh, écoute. Pourquoi vous avez volé une bécane au balas? Ouais. Non. C'est mais, que... mais ils nous l'ont donné, ils nous l'ont prêté, c'est des amis à nous. Ah ouais merde, c'est pas... Vous êtes qui vous? Oh putain. Moi, je suis le plus grand voyou de la ville. Sérieux? Tu t'appelles comment? Ouais. Moi, c'est Hannibal, l'Hannibal. Il y a 15 personnes qui disent ça, comment ça ouais, va? Ouais, mais non, mais moi, je suis vraiment le grand des boss. Tu connais le boss de la ville? Tu penses c'est qui? C'est un mec qui s'appelle Diego. Eh bah non, c'est moi le boss. C'est toi, tu baisses Diego? Non, ça de merde. Non, je baisse pas Diego, mais je suis boss. Reste au sol. Bah normalement le boss il baisse tout le monde, pourquoi tu baisses pas Diego? Ouais mais je suis boss parce que... Viens, arrête de prendre avec ces deux lobsans. Bah en fait vous êtes des merdes les gars, vas-y t'as combien de dollars sur toi là? Passe-moi 30 $. Non, mais viens on se casse. Vas-y, bon. Voilà, j'ai zéro. C'est des clochards, dites ma mère. Non, notre moto. Eh. Aïe. Oh sa mère. Putain. J'ai réussi à le sortir. Oh lourd. Vas-y, mets la pause, je t'ai mis la pause. Let's go, on va y aller. Ah, c'est bien par ici. Putain, leur balio il me fait toujours autant haler. Putain, ma calvitie. Poup! Bari, barrio! Ça va les gars ou quoi? Ça va les petits bouillons? Bari, barrio! C'est quoi cette coupe que t'as fait là? Ouvert to go! Ah, c'est toi? Là, ta grand-mère la pute. Oui, ma grand-mère est une pute, une énorme pute! Oh la voiture! Oh, s'il te plaît, commence pas. Ok, désolé, vert to go. Elle commençait pas, sa mère. Les couilles, ah, excusez-moi, ça se voit, vous êtes pas d'humeur, il vous est arrivé quoi? Il se passe quoi? Vous êtes fait mêler ou quoi? Non, la vie de ma mère, pas du tout. Eh, donne-moi ma plata, s'il te plaît. Et c'est pourquoi... mon collègue qui l'a, c'est t'inquiète, il va te les passer. Oh, t'as plus les sourcils verts, t'as les sourcils. C'est rouge, c'est pour montrer que je suis un. La, ma détermination. Tu vois le. Bon, on essaie. T'es comme Son Goku, mais tes sourcils changent de couleur. Ouais, voilà, tu vois, Goku, quand je mets en Super Saiyan God, ouais. Je suis comme lui. C'est pour ça. Ok, je suis comme merci lui. Pour la plata. Il vous faut quelque chose? Non, à part si. Toi, tu veux de la drogue ou quoi? Écoute, moi, je voulais te parler de Balthazar, il est toujours en fuite là? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles de lui. Mais personne l'a rattrapé, tu le sais ça. Non, please, je sais pas, je travaille pas avec les poyos, mon bulle bizarre. Non, mais dans la street, t'as pas eu écho de ça? Non, j'ai pas eu d'écho de bizarre. Ok, tu veux qu'on te revende de la Selara pour toi? C'est comme tu veux, tu t'aimes bien faire ça ou pas? Ouais, franchement, je kiffe. Non, c'est vrai, t'aimes bien ou? Ouais, en star, ça me fait des thunes et tout, c'est bien. C'est Radamel. Ouais. Vas-y, va lui chercher 40 bouchons là. Vraiment? Bah oui, c'est. Vas-y, je t'écoute, Riff. Je vais les revendre comme des petits. Tu peux l'accompagner le petit ou pas? Non, ouais, accompagne-le, je dois parler à Vertugo en tête à tête. L'accompagne pas. Viens, on va parler en tête à tête, mais tu l'accompagnes pas. Mais c'est ta mère, après je vais rester tout seul là. Ma mère, je viens. Vas-y, dis-moi.
Ouais, je voulais dire... Voilà. Je voulais dire... Accompagne-le. Quoi? Je accompagne-le. Je voulais... Je voulais dire... Ah bah... Je dois aller au gouvernement, attention. Je t'ai mis un couteau... J'ai un couteau sous la gorge, là. Je t'ai mis un couteau sous la gorge. J'ai fait quoi? Tu fais quoi avec mon coachier? Ah, c'est ta coachier. Descends. Que je pouvais savoir, elle est pas jaune. Elle est jaune, la putain de ta mère. Eh, hey, Zarma, vous avez un MacBook de posé, Zarma. Oh, la vie de... Oh, mais c'est quoi, ça? Mais c'est un ouf, Diego, quand même. M'a dit, arrête de boire de l'alcool. Tu vas devenir un meilleur homme, je sais pas quoi. Tu vas devenir... Zarma, il va me faire une mise à jour sur 2.0. Je sais pas, il veut dire quoi par là. Je sais pas ce qu'il a pour moi en tête, mais... Voilà. Ce président... Allô ? Ouais, c'est... Allô ? Quoi ? Allô ? Allô, allô ? Berlusconi ? Allô ? C'était la voix de qui, là ? Eh, je crois que je deviens fou. Allô ? Monsieur le président ? Voilà, Sehoud. Ouais, vous êtes au gouvernement ou pas? Non, je suis pas au gouvernement, je suis en train de faire une commande là, je vais revenir dans pas longtemps. Putain, je suis venu au gouvernement pour rien, c'est fermé. T'es venu au pire moment, je suis venu il y a 5 minutes, j'étais là il y a 5 minutes. Hein. Vous revenez dans combien de temps? Avant 1h du mat. Ok, bon, bah prévenez-moi. Vas-y, je t'appelle quand je suis au gouvernement. Vas-y. Vas-y. Ouais. Allô? Ouais. C'est comment? Ouais, t'es où? Bah c'est toi, t'es où? Je suis avec un petit fils de pute là et toi? T'es toujours au barrio? Regarde! Vas-y, j'arrive. Bon, je vais retourner. Cours! Aïe! Oh. Aïe! Monte! Cours! Quoi? Vite! Bah monte! J'arrive pas à monter! Elle est qu'une place ou quoi? Ah mais là, tu l'as tué là, non? Ouais, elle est qu'une place, quoi. Non, putain, Attends, je l'emmène à l'hôpital. Vas-y, putain, qu'est-ce que j'ai... Attends, mais là, il est inconscient. Je fais quoi? Je l'amène... Faut qu'on se trouve un véhicule à deux. Putain... J'ai pas fait exprès, je voulais lui mettre un petit coup dans les côtes, il... tranquille, mais ça lui a tranché la gorge. Rosepi... Attends, là, mets-le dans la poubelle. T'es sûr? Ouais, t'inquiète. Vas-y, jette-le là dans la poubelle, vas-y. Repose en paix, réfé. Non, vas-y. Attends, hé, oh, va dire à... Va dire à... Comment il s'appelle son... Va dire à son collègue qu'il y a son réfé qui dort sur la poubelle, il fait une petite sieste. Collègue, réfé... Cette voiture, il a crevé les pneus. Quoi, mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est... Il m'a haga, justement, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis devenu fou de rage. Oh, putain. Tiens, vas-y, viens. On a la voiture. Oh, il va nous enculer. Attends, F, obligé, on le ramène à l'hôpital. Il va vraiment. Oh, il va vraiment manquer. Il est toujours sur les poubelles là? Non, ça y est, il a trop de flou ici. Attends, je vais l'emmener à l'hôpital. Eh, Vertugo. Oh merde! Oh. C'est bon. Non, je t'emmène à l'hôpital maintenant. Tu perds pas 200k. C'est bon. Il est passé où? T'es là, ce ressemble. Eh, mets-moi un repère sur l'hôpital. Désolé, j'ai mangé un bout. Y'a pas de soucis. Mais range ton couteau déjà, range ton couteau. Ah oui, c'est vrai. Tenez. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, tu vas soit bien. Soit le fils de pute que ta mère, soit non, le... Non, c'est un bon, c'est un bon. Ah, pardon, excuse-moi. C'est un bon. Et lâche-le déjà. Ah oui, c'est vrai. Oh, Daffy Duck, il est Vertuingo, il est pas bien, là. Attends, je l'ai lâché, là, ou pas? Hein, quoi? Je l'ai lâché, là, ou pas? Non. Non, porte-le encore. Ouais, Balthazar? Mais putain, ouais, mais il répond pas au téléphone! Porte-le, il va mourir! Attends, fils de pute, j'ai un appel... Non, pas toi! Mais lâche-le! Il va mourir! Attends. Non, je te rappelle... Putain, t'as ruiné mon appel, fils de pute! Mais lâche-le aussi! Pauvre con! Mais putain, voilà. Je le lâche! Ah voilà! Bon toto! Attends, quoi? J'ai un appel grave important! Allez, viens! Oh!
S'il répond pas à cause de toi, je te plante, fils de pute. Ouais, allez me dire. Il rate pas, toi. Attends, Écoute, juste, il avait de l'argent sur lui, il lui faut absolument. Sinon, il y aura de lourdes représailles. Oui, allez, sortez, s'il vous plaît. Putain, pourquoi on est jamais concerné Steph, tu voulais pas me parler tout à l'heure? Si, mais je suis un peu occupé, là. Vas-y. Il me répond plus. Baltrou, il vient de m'appeler, là, putain. il était chaud pour qu'on aille le capter, The Bee. Oh, il m'appelle. Fils de pute, c'est ta faute, tu dois planter. Nique ta mère, il m'appelle. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Ah, et quoi? Wesh, tu parles tout seul ou quoi? Non, excuse-moi. Il t'a appelé ou pas? Ouais, il m'a appelé. Attends, il a dit me rappeler. Il y a 53 secondes. Ouais, je crois qu'il a dû me rappeler, je vais le rappeler. Bonjour. Ouais, mon Yo. Lascar. Ça dit quoi par ici? C'est qui? Vous êtes qui? Yo, toi t'es qui? Oh, okay. Vous êtes blessé ou quoi? Yo, c'est toi qui m'a carotte mon camping-car il y a 3 jours. Quoi? Enfoiré. C'est vrai ça? Non, bah ouais, on m'a sorti un Glock, il me l'a mis dans la bouche, il est parti avec mon camping. Non, tu te fais de fausses idées, tu te fais de fausses idées. Tu penses? Bah écoute, ouais. Moi ça m'étonne pas parce qu'il m'a moi-même volé une grande somme d'argent, je te le laisse. Ah oh, non, mais garde-le, j'en veux pas, hein. C'est qui cette femme? C'est ma soeur. Elle s'appelle comment? Dado! Ouais, c'est quoi? Eh mon ref, y'a de l'argent là-bas, va faire un tour. Yo, dans la poubelle, y'a 500 mails. Ouais, va les prendre. Bah dans le fond. Bon. Elle a pas l'air si con que ça, lui. Je t'ai dit d'aller prendre de l'argent. Ah yo, tu parles à qui? À toi, l'argent est derrière le panier. Va à moi, là panier. Ouais. Ok. Ça va? Bon. Ça dit quoi, ma belle? Eh, comment? On sait que ton frère, il t'empêche de vivre et que c'est un petit trou de balle. Mais nous, on est là pour te délivrer, ma belle. Oh. Ah non, la voix, je te la laisse. Oh, eh, bonne soirée, les refs. Force à Watt. Il y en a eu un. Il va mieux. Tu l'as soigné, Vertugo? Ouais, c'est bon. Il est où? T'as quoi ton problème avec ma voix, toi? Non, rien. Juste va voir là-bas s'il y a. Oh non, Steph, je peux te parler 2 secondes. Ouais. Eh, hey, il est où Vertigo? Moyen de prendre rendez-vous. Attends, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il est où Vertigo? Je voulais me parler au téléphone, non? Ouais, non, mais c'était pour savoir du coup si t'avais bien dormi ou pas. Parce que bah, tu m'as dit que t'étais SDF. Ouais, si t'avais bien dormi ou pas? Ça va pas trop, ça va pas trop d'ailleurs. Je sais pas si tu t'entends bien avec ton directeur, si il compte faire des dons pour mon association pour les pauvres qui est de cette ville, avec plaisir. Attends, t'es toi-même pauvre et tu fais une association pour les pauvres? Bah oui, pour nous aider. Bah écoute, il faut en parler avec Rachel, vu que de toute façon, dans tous les cas, nos deux présidents, donc le premier Neil, il a été dégagé. Il est plus chef, et maintenant c'est Rachel. Et l'autre, elle va donner des sous, tu penses? Je sais pas, bah faut voir ça avec elle. Tu peux lui demander de me tenir au jus. Mais tu voudrais combien, là, à peu près? Je sais pas, mais ça, bonne somme quoi, qui aiderait les pauvres en plus au niveau de vos impôts, ça vous aidera. Bon, même si je sais que c'est public. C'est quoi le rapport à SDF avec les impôts? Bonsoir. Bah si vous donnez de l'argent à une association, le gouvernement vous aide. Ouais, vous voyez, vous seriez déplacé sur la paix. Bon, tiens-moi au jus, dis-moi si elle est chaude. Vas-y. Vas-y, bisous. Je vole des voitures. Yo, je t'en ai que t'essayes, mais non, t'y arrives pas. Donc en soi, non. Est-ce que je vole des voitures? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va jouer sur les mots. Non, tu ne voles pas de voiture. T'as vu, c'est comme ça qu'on se fait respecter ici, sans ça. Ouais, okay. Bien vu. Moi, je suis un mec un peu. Je suis pas puissant comme toi. T'es trop fort, Berlusconi. T'inquiète, mon ref. Mon ref, monte dans la gauve. Vas-y. C'est comment alors, du coup? Bah, juste Baltrou, je le rappelle. Putain. Je le rappelle et si ça répond pas, je pense que je vais. Je pense qu'il va jamais te répondre, ce chien. Mais c'est lui, il m'a appelé justement, il m'a dit ouais, tu voulais qu'on se voit et tout. Mais je pense que ça va aller naze s'il répond pas. Toi, ça te dit quoi? Ah, je pense que ça va bientôt naze aussi. Ouais, bah ouais, on a fait ce qu'on avait à faire. C'était bien mouvementé ce soir, mon ami. Ah, bah frère, c'est le. À qui le dis-tu? Ah ok, Jean-Luc Richemont, du coup. C'est ta mère. Oh,
Eh, il va m'envoyer une pause là, Balthazar. Vas-y. Attends frère, on peut pas y aller comme ça, on fait quoi? Il faut qu'on le ramène à la police pour avoir les 1 200 000. Les 2 millions carrément. Attends bah. Attends deux secondes. Président. Allô? Ouais, vous allez bien? Ouais, toujours hein. Ça dit quoi là, Caramel? T'es occupé ou pas? J'ai un truc important pour toi. Ta gueule, t'es pas occupé. Ça en fout. Ah, oh, j'arrive. Tu recherches pas un Baltrou, toi? Un Balthazar? Non, si. C'est toujours 2 millions de dollars. Deux. Ouais. Écoute, tu veux que je te montre ma confiance ou pas? Bah, tu veux 2 millions de dollars ou pas? Sois prêt, je t'enverrai une pause. Les... Putain, pas vous les clochards. Non. Ok, ok, je passe un coup de fil, je te confirme, d'accord? Vas-y, je t'enverrai une pause, à toi d'être performant. Vas-y. Allez, vas-y. Oh, les clochards. Oh. Attends, arrête-toi, Berlusconi. Oh, les deux poteaux. Oh, les deux. Attends. Attends, monte. Mais non, monte dans la voiture. Vas-y, viens, on y va. Vas-y. Eh, justement, c'est quoi ton plan là? T'inquiète, je vais envoyer une pause à des agents, ça va débarquer en balle dès qu'on va arriver. C'est une dignité. Vas-y, go. C'est journaliste. Mais si vous voulez que je vous recrute, je peux vous recruter. Mais pourquoi? Brice, je gagne 5 dollars par jour. Non, 6000 dollars par jour. Ah, mais on est fou. Ah, il m'envoie une pause, frère. Putain, j'ai oublié d'aller voir Yannou, hein, j'en ai marre, je suis trop con. Elle m'a dit la pause, ça arrive. Mais du coup, dès que j'ai la pause, tu l'envoies au gouvernement, ok? Oh. Ouais, vas-y. Bah, vas-y. Mais je te suis, va à la pause maintenant, on perd du temps. Mais j'ai pas encore la pause. Il va me l'envoyer. Dès que je la mets et tu l'envoies à tes collègues, ok? Non, je généralise frérot, pas, bien sûr. J'ai la pause, c'est bon. Elle est dans la voiture. Elle est mise là. Envoie-la au groupe, ok? Tu peux l'envoyer au groupe ou pas? Faut qu'on y soit. Putain, mais c'est ça le truc, faut qu'on y aille en même temps, comme ça on arrive en même temps. Je peux pas te l'envoyer par SMS? Non, faut qu'on y soit. Mais attends, je vais leur dire, t'inquiète, je regarde sur la carte, je vais leur dire, vas-y. Je suis sur le GPS. Vas-y. Merde, j'ai pris un détour sur toi. Sarsal, tu m'entends? Oui. T'es là? Quoi? Ouais. Eh, du coup, t'as envoyé la pause, c'est bon? Je lui ai dit l'endroit. Il veut la pause, mais je peux pas lui envoyer. Faut qu'ils y aillent en même temps que nous. Ouais. Ils y vont ou pas? J'ai besoin d'un feu vert, moi. Eh, ça y est, faut appeler. Ils sont vifs par SMS ou c'est comment? Appelle-les sinon. Au pire, je pense que le rendez-vous va bien se passer, même s'ils viennent pas. Juste voilà, on pourra pas le livrer au gouvernement, mais nique sa mère. Mais moi, je dois juste de l'argent de toute façon. Mais maintenant. Oui, mais faut que tu m'envoies la pause. Mais je t'ai dit, la station service à côté du Rob Zicor dans le nord. C'est où ça? Sandichor ou pas les taux? C'est la troisième station service. Troisième station service? Très bien. Vas-y. Eh. S'il se passe quoi que ce soit, oublie jamais la règle numéro 1. On sait rien, on dit rien, on connaît personne, on parle de rien. Même un couteau sous la gorge, je me prends une balle dans la tête, je parlerai pas. Ouais, fort mon ref, fort. Mais là, attends, du coup, là, si le gouvernement arrive, en fait, je préfère vraiment qu'on arrive en même temps, puisque là, non, si on va venir à l'endroit. En même temps, c'est cramé, va maintenant. Bah oui, c'est cramé, mais si on arrive à l'endroit, ils vont nous amener dans un autre endroit, ils vont nous dire non, qu'on confisque l'hôtel. Si on a rien à se reprocher, on veut juste parler avec lui. On parle tranquillement, pas de menaces, pas d'insultes. On a rien à se reprocher, ouais. C'est nos amis. Ah vas-y. C'est là non? T'es pas là ton pote. Attends, je vais l'appeler. Peut-être ils sont dans cette maison là. Attends, je vais l'appeler. T'as l'air déprimé mon sauce, qui est pas ça? Non, je suis bien, c'est juste que. Je stresse un peu moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses, c'est toi le gangster ici. J'ai capté, non t'inquiète, ça va bien se passer, il faut juste envoyer, enfin donner l'argent que je dois à Baltrou, et voilà. Après rappelle-toi la dernière fois qu'on a vu Baltrou, ça s'était mal passé un peu. On avait fait du parachute, tu l'avais planté, oh tu l'avais planté, c'est vrai ça. Je t'ai sauvé sale chien.
Mais non, j'étais en train de parler avec lui, on était en train de conclure un deal. Il te menaçait. Oh, t'as pas à manger. Ouais, tu m'entends? Mais comment ça, l'hélicoptère de la Guardia? Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis à la pause, frère, avec Strud. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh, hey, je suis à l'endroit. Eh, hey, il me dit qu'il y a des flics qui se sont fait cramer ces trous de balles. Putain, il me répond plus, wesh. Allô? Allô? Vous êtes en hélico, c'est vous? Non, on n'est pas en hélicoptère. Ouais, y a des hélicos. Ils ont vu des hélicos de police, apparemment, ils sont en panique. Non, dis ça qu'il n'y a pas d'hélico de police, c'est pas bon. Putain, mais c'est bizarre. Okay. Vérifie, mais sinon, on voit des photos, mais c'est bizarre. Ok? Vas-y, je te trouve. Mais j'entends des hélicos aussi, c'est bizarre. Il te manipule, il m'a dit y'a pas d'hélico, il a pas envoyé aucun hélico. Mais frère, j'ai entendu aucun hélico moi. Moi j'ai entendu un hélico par contre. Oula, c'est quoi ces voitures? Ouais, c'est bizarre. C'est quoi cet endroit? Wesh, c'est quoi cet endroit? Y'a un hélico en haut. Y'a un hélico en haut, tu le vois pas. Attends. Tu l'entends pas? Ah si. Hey, t'es parano, il n'y a pas la police, je suis toujours à la pause, y'a personne, je comprends pas. Mais l'hélico, qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Mais hey, je regarde dans le ciel, je vois rien. Je crois que c'est vraiment un pur hasard. Envoie-moi une autre pause, je viens. Une autre pause, je viens. Je crois que c'est vraiment un pur hasard l'hélico. Vas-y, ça marche. Envoie-moi une autre pause. Bon, hey, il va m'envoyer une autre pause, on va y aller. Il m'a dit s'il y a des flics là-bas, t'es mort. Du coup, je pense pas qu'on va prévenir la police. Mais j'ai pas prévenu la police, hein. Je crois que c'est un pur hasard, l'hélico. Mais pourquoi ce trou de balle, il est en hélico? Mais c'est un hasard? Ah, il se pose là-bas, je crois. Je viens de le voir se poser là-bas. Je crois que c'est vraiment un pur hasard, l'hélico. Oh, c'est des bras cassés au gouvernement, Zipi. Allô? Allô, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Ouais. On arrive là, je suis à 1 km, juste j'ai acheté à manger et à boire parce que je vais m'évanouir, sa mère. Mais j'arrive. Mais on sait pas c'est quoi cet hélicoptère. On sait vraiment pas c'est quoi. Il y a vraiment un hélico depuis tout à l'heure qui rôde. Mais comment il a pu se pointer alors qu'on est même pas allé au lieu de la pause encore? Mais pourquoi il y a un hélico depuis tout à l'heure qui rôde, il casse les couilles? Toi tu te dis pas que t'es recherché par toute la terre par hasard? Ah, il a raccroché, putain, j'ai peur. Il a la pause là-bas. Il a la pause, mais il m'a encore dit un hélico, je sais pas quoi là. Cet hélico, il est en train de tout niquer, vraiment, je sais pas c'est qui. Peut-être c'est juste des agents qui surveillent. C'est lui là, non? Ça. Wesh, mais regarde devant toi, fils de pute. Attends, il est ici donc. Il a dû rechanger de pause, hein. Arrête-toi, c'est là. On fait quoi là? Bah, on va l'attendre, je sais pas, il tripe ou pas, il est bizarre. Je sais pas, il joue. C'est un acteur, c'est ce type. Mais frère, c'est l'hélico, il a rien à voir avec nous. Je l'appelle une dernière fois, hein, s'il veut pas, nique sa mère. Vas-y. Allô? Eh, on est à la poste que t'as envoyée, on est que tous les deux, y a pas de police, y a pas d'hélico, y a pas de je sais pas quoi. Soit tu viens, je te donne ton argent, tu te casses, ta mère. Soit une prochaine fois, parce que vraiment, l'hélico, il a rien à voir avec nous, on sait même pas c'est qui. Mais vas-y, il joue trop au Sasuke là, celui, il croit, il est dark. Après, il est quand même recherché, il peut prendre prison à vie. Ouais, mais il a dit, on va faire un test, mais je comprends. Moi qu'il est pas long. Il doit pas être long du tout, ouais. Mais vas-y, roule un peu, on sait jamais. Allô? 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 Ouais, allô? Il me fait changer de poste, hein. il est un peu parano. Du coup... Ouais. Okay. Quand on aura la pause finale et confirmée, je t'enverrai la pause directement, tu l'auras dans tes messages. Okay. Avec qui? Et quand je t'enverrai la pause, il va falloir être vraiment réactif. Ouais, t'inquiète pas, ce sera fait sur le tac, t'inquiète. Là, je suis avec un ami SDF. Ok, bah attention. Non, retourne à la pause, retourne à la pause, il arrive. Vas-y. Mais ça va prendre 3 plombes, demain je vais vouloir le recapter, ça va reprendre toute la soirée encore, ça va être comme ça. Là, je pense qu'on a une occasion, c'est maintenant. Ah bah,
Sacré 4x4 les sauces là. Arma téléphono, tu donnes tout. Arma téléphono radio. Mais il se passe quoi là putain, vous voulez que je vous baise quoi, il se passe quoi? Arma téléphono radio. C'est bon, tiens, tiens, prends tout, prends tout, prends tout. Mais pourquoi ça nous braque? On vient donner l'argent à Balthazar, on se casse. Kayate la boca. On les a, on les a, on les a, on les a, on les a. Putain. On va juste vous fouiller pour être sûr. Vous avez pas envie comment cacher. Ok, mais confisquez rien s'il vous plaît, après je vais me retrouver à poil encore. Me fouille pas trop, j'ai que de la merde sur moi. Y'a un à gratter. Ça va ou quoi les gars? Ouais, ça va, Torquillo, y'en a un qui va monter dans le coffre et l'autre avec nous. Oh putain. Force à toi. Attends, ils font quoi là? Ouais, ouais, on les a fouillés. Non, 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 un seul véhicule. Fais-le monter dans le coffre. Dans le coffre. Vas-y, monte dans le coffre. C'est pas un coffre ça. C'est celui-là, celui-là. Ah, ici. Attends. Non mais monte vraiment dans le coffre.